Ézéchiel ? Oui ? C'est quel jour aujourd'hui ? Je vais vérifier ça, je crois qu'on est le 24 octobre. Ah merde, donc ça veut dire que c'est pas encore la fête ? Mon anniversaire ? Non, c'est dans 6 jours. Non, mais je te parle pas de ton anniversaire, je te parle de la fête avec les trucs qui font peur dedans. Et les gâteaux. Anniversaire ? Non, c'est le jour avec les morts et les fantômes. Anniversaire ? Bon, oui, si tu veux. On va jouer, et pour fêter ça, on va jouer à un jeu, il fait très très peur. C'est... Enfin, il est censé. Hein. C'est Alien versus Duke Nukem. Tu me permets pas d'avoir mes doutes sur la capacité de faire peur de ce jeu. Ah, mes oreilles. C'est mieux, là. Regarde, on a tué un alien. On est méchant. Pourquoi on a tué un alien en carton pâte. Ça se trouve, il voulait être gentil. Mais on est Duke Nukem. I've got balls of steel. T'as vu? C'était méchant. Si tu leur demandes pas, même pas, c'est comment ça va et tout. Mais tu sais quoi? I've got balls of steel. Alors écoute, si lui, sa voix, elle faisait ça, je pense que ça te saurait. Eat shit and die. I've got balls of steel. On a mouru. Ça faisait peur. Ah, j'ai peur, Ezekiel. Regarde, ils sont effrayants. Et ils sont en carton pâte. Ça fait très très peur. J'adore les textures de sang qui sont juste magnifiques. Mais qui a pris un pinceau sur Paint avec. J'ai encore mouru, Ezekiel. Ah, c'était ça le message d'erreur. C'est effrayant. Au secours. Je meurs. Et tu sais ce qu'on dit? Arrêter de mourir. C'est qu'à la fin de la vie, bah on meurt. Ah, regarde. Eh ben moi, je trouve que c'est assez réducteur. Je pense qu'à la fin de la vie, si on en a envie, on peut ne pas mourir. Mais le jeu est tellement difficile et tellement effrayant. Oh, mon dieu. Même Duke Nukem, il dirait... C'est moi où t'as frappé ta barre d'espace et ça a juste explosé tous les monstres. Bah oui, c'est un peu le principe des FPS, non? D'appuyer très vite sur la barre espace. C'est pour sauter la barre d'espace. Mais non, mais c'est parce que c'est un jeu, il est bien fait, donc... Tu tournes avec les boutons de la flèche, et puis, pour tirer... Tu tires la barre d'espace. Voilà, parce que c'est les FPS où on connaît comment ça marche, les FPS. C'est fait par les gens de Valve, ça se voit. Tu te rends compte que t'as moins d'une vie? J'ai moins d'une vie? C'est affiché dans le... comment ça s'appelle, la fenêtre, le titre de la fenêtre, Lives moins 1. Ah ouais. Elle, 100. Mais c'est parce que c'est de la programmation, tu vois, c'est métaphorique. C'est que ça explique comment, tu vois, après la vie, il y a d'autres choses, et que en dessous la vie, il y a encore d'autres choses, et que... Ça... Non, ça a rien à voir, le mec, il s'est pas programmé, c'est tout. Mais non, c'est intelligent, c'est de l'art, ça fait peur. T'as vu? Là, il y avait plein de... Ah! 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 Au secours! Ah! Ah! Des aliens! Ah! Et on est Duke Nukem! Et il dit... I've got balls of steel! Eat shit and die! Qu'est-ce qu'il dit comme truc aussi, Duke Nukem, qu'il pourrait dire là parce qu'il fait peur, le jeu? Je sais pas, moi j'ai toujours été plus jeune Sam que Duke Nukem. Il dirait des trucs du genre I am full of bubblegum and I'm here to kick ass. And luckily for you, I'm all out of bubblegum. Non, c'est pas ça la phrase. À peu près. La phrase c'est I came here to chew bubblegum and kick ass. Unfortunately for you, I'm all out of gum. Ouais, mais t'as vu, c'est... Oh mon dieu, ça fait peur. Oh. En fait, je me pisse dessus depuis le début du jeu. Hein. Oh. Louine.